15 secondes. On avait quand même à cœur de venir ici pour prendre un résultat parce que voilà, ce match nul contre Rouen, on ne va pas se contenter de ça. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de ça non plus. On avait à cœur de commencer la série aussi. Voilà, après, on sait que c'était une belle équipe du Mans qui sont bien renforcés ce début de saison. Ils ont fait voilà, un gros premier match. Et l'objectif surtout en venant ici, c'était de ne pas perdre. Si on pouvait prendre les 3 points, c'était bien. Je pense qu'on avait les situations de tour. Ce match nul, et on espère dès vendredi devant nos supporters ramener 3 points et revenir un peu dans le tableau, on va dire. La bonne nouvelle, c'est que vous avez marqué, vous revenez dans le match en plus. Il y a quand même des bons enseignements dans ce match-là. Ouais, je pense que surtout les bons enseignements et je pense les points positifs qu'il faut dire, c'est surtout l'état d'esprit de l'équipe. On n'était pas abattu, rien. Le coach a été très positif avec nous. Je pense que voilà, c'est ce qui nous a fait du bien aussi. C'est comme vous avez dit, marquer un but, lancer la saison aussi pour les attaquants, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui c'est un penalty, la semaine prochaine sera un but dans le jeu, on espère. Mais voilà, après tous les buts sont importants, que ce soit sur coup de pied arrêté, on le sait, on l'a vu avec nous. On se prend un but sur coup de pied arrêté malheureusement. Et voilà, c'est surtout dommage de prendre un but sur coup de pied arrêté, on le sait surtout en tant que gardien. Mais après c'est un but, voilà, c'est très important pour les attaquants aujourd'hui de marquer. On est content pour Momo qui a fait une bonne rentrée, qui nous a fait du bien, les entrants étaient importants. Surtout que l'action, il y a la barre en fin, mais en même temps c'est dominateur sur l'ensemble de la rencontre. Non, c'est un bon point. Franchement, il faut rester lucide et même si c'est vrai qu'on aurait pu l'emporter ce match, surtout en deuxième mi-temps. Mais c'est un très bon point ici à Le Mans avec ce qu'est une belle équipe à l'extérieur, donc tout point à l'extérieur compte, donc c'est très très important d'avoir fait un match nul ici. Par rapport à la semaine dernière, vous commencez tous les deux sur le banc et vous rentrez, vous êtes décisif. Comment t'as vécu ce match? Que ce soit moi ou Mohamed, on est des personnes compétiteurs avant tout. Donc on voulait aider l'équipe, on perdait 1-0. Le staff sont venus nous voir à la mi-temps pour nous prévenir qu'on allait rentrer assez tôt quand même. Donc on s'est vite préparé, on a essayé de faire notre rôle à 100%. Et de toute manière, les finisseurs peuvent aider l'équipe à apporter du mieux, c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. On a le sentiment qu'il n'y a pas manqué grand-chose parce que vous avez une domination dans le jeu, vous avez eu pas mal d'occasions aussi à la fin. Est-ce que tu as quelques petits regrets? Toujours des regrets, toujours, mais après, voilà, c'est le plus important, c'est que tout le monde a été investi dans ce match-là. On a pris un point, comme je dis, c'est un bon point et c'est des bonnes augures pour la suite.